raison. Ça veut dire que lorsque le chien m'a montré qu'il y avait une truffe, le chien ne se trompe jamais, jamais, jamais. Moi, je sais pas pour les autres, mais celui-là, en tout cas, il se trompe jamais. Ah, ça sent très très bon la Tuber Melanosporum. Donc c'est vraiment le top en qualité. Voilà, mais je la trouve pas. Elle est dans le coin. Ah là, voilà. Le chien a toujours raison. Hein. Toujours parti de frappe. Là, je l'ai cassé. Et on voit, c'est une très très belle mélano. Je pense que le chien serait content, ne serait-ce d'avoir qu'une caresse. Mais voilà, une récompense est tellement mieux. Et ça concrétise tellement bien les choses. Ah, je la vois, elle est là. C'est bien ma choupe. Mais oui, c'est très très bien. En France, il existe plus de 30 variétés de truffes. Sur les 30 variétés, il y en a quelques-unes qui sont comestibles. Voilà, ça dans cette comestible, il y en a, on va dire, 3 ou 4 qui sont bonnes. Et sur les 3 ou 4 qui sont bonnes, la meilleure, c'est la Tuber Melanosporum, qui est la truffe dite du Périgord. Oui. Et alors, c'est celle qu'on trouve ici. On trouve aussi une deuxième variété qui s'appelle la Brumale. Ça, c'est une truffe de qualité moindre, mais qui n'est pas mauvaise, mais qui ne vaut pas grand-chose quand même. Quoi. La bonne période, c'est justement maintenant, à la fin du mois de janvier, c'est la période où elle est la meilleure, où elle est la plus mûre. C'est la qualité top pour la truffe Tuber Melanosporum. Nous, on commence à caver, caver, ça veut dire chercher les truffes. Hein. On commence à caver au début du mois de décembre, parce que les truffes de fin d'année sont toujours beaucoup plus chères que celles de début d'année, parce que les gens en ont beaucoup besoin au moment des fêtes. Mais la qualité optimale, c'est vraiment le mois de janvier, le mois de février, c'est très très bien. Ouais. Il y en a qui cavent encore en mars. Moi, j'aime bien laisser les truffes pourrir dans la truffière pour ensemencer en fait le terrain. Mais voilà, on peut en trouver encore en mars. Ouais. Je sens la terre parce que l'odeur de la terre me dit quelle variété de truffe je vais trouver. Est-ce que c'est une Brumale ou est-ce que c'est une Tuber Melanosporum? Et là, on a une très jolie petite Tuber Melanosporum. J'ai plusieurs systèmes de commercialisation. D'abord, les gens viennent m'en chercher parce que les gens me connaissent, les voisins, les gens des villes voisines, ouais, effectivement. Et puis aussi, comme j'accepte d'emmener du public dans la truffière pour montrer le chien qui travaille, les gens aiment bien, ils adorent, ils ont la démonstration. Ils voient leur truffe pratiquement récoltée, puis ils se disent on ne peut pas avoir plus frais. Voilà. Et très jolie petite mélano. C'est parfait, ça va chaud. Et donc voilà, et puis je fournis aussi pas mal de restaurants sur le Maine-et-Loire et sur l'Indre-et-Loire, et puis aussi un petit peu dans la Vienne. Donc des grandes tables. Des grandes tables, oui. Ça c'est très sympa, c'est un marché qui est très sympa aussi. Il y a deux autres techniques pour trouver des truffes, à part le chien évidemment. C'est d'une part la mouche. La mouche, ça marche bien au printemps. Il y a une variété de mouches qui a la particularité de pondre à l'endroit où il y a les truffes. Donc il faut repérer la mouche et vérifier l'endroit où elle se pose. Ça marche le jour ensoleillé au printemps quand il fait suffisamment chaud. Aujourd'hui, il n'y a pas de mouche. Une autre technique, c'est tout simplement le cochon. Le cochon, qui lui n'a qu'un rêve et qu'une envie, c'est de manger la truffe. On ne tient pas le chien en laisse, mais on tient le cochon en laisse. On tient le cochon en laisse, ouais. Là c'est obligatoire. Ouais. Chop. Travaille. Voilà, on va voler. On va voler. On va voler.
mon record en une heure, ça a été de retrouver à peu près 2 kilos de truffes. Ah, quand même. Ouais. Mais c'est pas tous les jours comme ça, hein, je vous rassure. Hein. C'est trop beau. Cette année, c'est une année, c'est une bonne année de truffes pour nous. Ça faisait 7 ans qu'on n'avait pas récolté. Où on récoltait une truffe par-ci, une truffe par-là. C'est pas une question d'argile, c'est une question surtout de calcaire. Ouais. Il faut un pH, un potentiel hydrogène qui soit proche de 8. Et ça, c'est l'idéal. Quoi. C'est un terrain vraiment très très basique. À laquelle le bout des racines des arbres se trouve, c'est là que le milieu favorable pour la truffe. Ouais. Ah là oui, là on est chercheur d'or, ouais. Ben, c'est mon papa qui avait implanté les truffières. Donc, il y a 24 ans, il a implanté cette truffière. Et puis, ben voilà, on a fait la première. On a trouvé notre première truffe parce que la truffière avait 9 ans. Et puis, voilà, maintenant, ben, c'est passionnant parce que moi, quand je travaille avec mon chien, j'ai pas du tout l'impression de travailler. C'est vraiment un jeu, quoi. On s'amuse, le chien trouve la truffe, moi, je la déterre. Et puis en plus de ça, bah, c'est important pour nous parce que quand on fait une bonne année, bah, ça nous aide à entretenir le château obligatoirement. Voilà. Tous les 4 jours dans la truffière parce que ben, il faut que les truffes mûrissent. Une truffe, ben voilà, c'est comme un fruit, hein. Tant qu'il n'est pas mûr, il ne dégage pas de parfum. La truffe, elle est formée à la fin de l'été, elle a atteint sa taille adulte. Après ça, c'est le temps qu'elle met pour arriver à maturité. Voilà, donc la truffe, elle se forme pendant l'été. C'est pour ça que les trufficulteurs rêvent d'avoir la pluie en été. Il faut de l'eau en été pour avoir des truffes en hiver. Quand elle est mûre, en fait, elle dégage du parfum. Donc c'est pour ça que je sens la terre, pour savoir déjà quelle variété de truffes je vais trouver. Et au moins s'il y en a une. Mais comme le chien a toujours raison, je suis sûr qu'il y a quelque chose. Ça ne veut pas dire que personnellement je vais le trouver, parce que quelquefois on a des truffes qui sont minuscules. Le chien a raison, mais c'était tout petit. Donc, j'insiste pas, parce que ça ne sert à rien, à moins qu'elle soit là, si elle est là. Voilà la taille de la truffe. Elle a atteint sa taille adulte à la fin du mois d'octobre pratiquement. Ça y est, elle est formée. J'aime pas avoir des très grosses truffes comme ça parce que leur degré de maturité n'est pas homogène. En général, sur le dessus, elles sont pourries, au milieu, elles sont bien mûres et en dessous, elles sont pas mûres. Donc c'est pas le top. C'est une grosseur idéale parce qu'elle est facile à vendre, elle est bien mûre, elle est très homogène, elle a une forme qui est agréable, elle est proche de la sphère. La truffe idéale, c'est la taille entre balle de ping-pong et balle de tennis, et qu'il soit le plus rond possible, et ça c'est parfait, ça c'est parfaitement homogène. Mon record ici cette année, ça a été 580 grammes, donc déjà c'est une grosse truffe. Oh, oui. Ah, si, elle est là.
en balle de ping-pong. Un peu plus gros. Voilà. C'est bien, bon. C'est bien travaillé, on est très contents. C'est bien. Avec un veinage blanc comme ça à l'intérieur, ouais. Ça c'est vraiment la Tuber Melanosporum, c'est la qualité extra.